Laisse mes parents tranquilles. Tes parents vont venir avec moi. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu peux m'aider? C'est pas bon signe. C'était cette armoire sur le dessin. Une pièce secrète. Fais attention. Regarde. Nos parents. Des agents secrets. C'est l'heure de sauver papa et maman. Hiya. On n'a pas besoin de ça. Nos parents sont sous l'arbre. Utilise les lunettes à laser. Excellente idée. Miam. Bon, il doit y avoir des empreintes par là. Ron, je peux tout voir. J'ai trouvé une empreinte. Bon, il doit y avoir des empreintes par là. J'ai une idée. Je me suis perdu. Il est temps de le sauver. Tu te moques de moi? Les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Vous aussi, vous êtes des espions? Trop cool! Vous nous faites honte. Bon, qui est venu nous rendre visite? Tu as gâché le maman. Il est temps de jouer avec le feu. Pas si vite. Papa, maman, ne bougez pas. On doit désamorcer la bombe. Oh mon Dieu! Non! Game over. Bien joué. Je prendrai ma revanche.
J'allais oublier de faire un vœu. Bravo! Et maintenant, c'est l'heure des cadeaux! Waouh! Génial! Merci, papa et maman! Ça sert à quoi, ça? Oups! Tu devrais manger le gâteau d'abord. Et je ferais peut-être mieux d'enlever ça d'ici. Salut! Alors comme ça, on va affronter le champion? Le champion de quoi? D'un concours de bouffe? Rendez-vous à l'arrivée. Prêt? Partez. Ciao, ciao. J'avais pas fait ça depuis longtemps. Hey, rendez-vous à l'arrivée. Tu vas voir, je vais t'attraper. Miam miam. Merci pour la pizza. J'ai une idée. Que dirais-tu d'un plateau volant? Qu'est-ce que... Un couvert. Oh non. Essaie de tracer maintenant. Je ne vais pas tracer, mais je vais décoller. À plus dans le bus. Waouh. Aïe, j'ai raté. Salut. Oh, pourquoi c'est si dur? C'est mieux comme ça. Madame. Hein? Il est en train de tricher. Mais je l'ai vu. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Voilà. J'ai fini. Ma copie, elle était juste ici. Madame, regardez ce qu'on a fait. C'est le moment pour une petite explosion. J'en connais deux qui devraient aller se doucher. Il faut que j'y aille. Hum.
Que personne ne touche à mon pote. On dit Wiftiti. Je t'aurai. Rien ne pourra m'empêcher de te mettre derrière les barreaux. Oh, mince! La vache. Maintenant, j'irai en mission que par temps de canicule. Hein? Une babysitter? Il vous envoyait pile au bon moment. Moi aussi, je veux aller au ciné. C'est un amour. Mais je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Certaine. Mais je ne suis pas... Si je ne vais pas au cinéma, je vais manger tous les bonbons que je pourrais trouver. Non. Il n'était pas sur la table il y a 2 secondes. Puisque je dois m'occuper de toi, pas de bonbons, que de la purée bonne pour la santé. Information urgente. Il s'est produit un autre vol à main armée. La police ne parvient pas à arrêter le coupable. Oh! On m'a dit qu'un masque à la purée était très bon pour la peau. Ouais. En direct des lieux du crime. Personne ne peut le rattraper à cette vitesse. Ouais, surtout avec des baskets à ce prix. La 3e paire cette semaine. Il fait chaud ici, non? J'ai l'impression que le sol fond. Les enfants sont censés être au lit à cette heure-là. À cette heure-là, c'est juste les bébés Kadom qui vont au lit. Oui. Les voisins ont encore organisé un spectacle son et lumière. Sérieusement? Tu es une super... Je le savais. Ah, enfin, un enfant ne m'empêchera pas de faire mon vrai boulot. Je crois que c'était une mauvaise idée. Je vais maîtriser ce feu en 2 temps, 3 mouvements. Oups. Juste 2 secondes. Essaye ça. Merci. Attends, quoi? Je savais que tu étais une super-héroïne. Quoi? D'accord, plus tard. On sort d'ici. Je la tiens. Oh mince. Cool. On peut recommencer? Pas question, jeune fille. Tu devrais être déjà couchée. Oh non. On devrait être déjà rentrée. Pour moi, les prisons, c'est comme des hôtels. Et toi? Mince. Il ne m'échappera pas. Il ne nous échappera pas. Je te tiens. Quoi? Pas si vite. T'embête pas, tu n'iras nulle part. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas toute seule ce soir. T'as vu ça? T'as vu comme j'ai été maligne? Bien joué, collègue. C'était génial, mais on parlera plus tard. Maintenant, on court! Coucou, c'est nous! Et on vous a ramené du pop-corn! Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant notre absence? Quelque chose? Non? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? On va tout changer! Waouh! C'est votre voisin qui fait voler un hot-dog géant dans le ciel? Oh mon Dieu! Il y en a une qui a mangé beaucoup de sucre, on dirait! Désolée! En tout cas, merci de l'avoir regardé! Merci à vous! On s'est bien amusés! Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? C'est les voisins qui ont encore organisé un spectacle son et lumière! Ça fait tellement longtemps que je voulais aller à ce resto. Votre menu. Merci. Merci. Waouh, regarde ce qu'il y a.
Tu es sûr que tu veux ça? Mais non, j'adore manger épicé. Garçon, je vais vous prendre ça, s'il vous plaît. Excellent choix, monsieur. Oh. Ça me fait peur. Vite, vite, j'ai vraiment trop faim. Ah. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Ah. Y a rien qui se passe. Y a rien qui se passe. Le gâteau. Oui. Maintenant, allumons les bougies pour fêter ça. Merci pour le spectacle. C'était quoi ça? J'en sais rien. Oh, je suis refus. L'addition. Merci. Qu'est-ce que tu as fait? Désolé, je n'arrive pas à me contrôler. Enfin, on fait les boutiques. Attends-moi là. Oh, c'est toi qui voulais t'acheter des vêtements. Comment tu trouves ma robe, chérie? Vraiment très belle, chérie. Elle te va très bien. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu ne peux pas fermer ta bouche? Désolé. Cette robe te va encore mieux que celle d'avant, ma puce. C'est vrai? Tu l'aimes bien? Tu m'exaspères. Tu le fais exprès ou quoi? Tiens, ça, ça tira comme un gant. Tu parles. Attends, chérie. Coucou les enfants. Coucou les enfants. Salut. Concon. On va faire du pop-corn. Attendez, je vais vous montrer comment on s'y prend. Oh non, d'une poire. Admirez. Wow. Pyro, c'est vraiment génial. Bien joué, Pyro. Voici vos pop-corns, les amis. Je peux vous aider aussi? Oh, tu as tout gâché. Merci d'avoir cramé nos saucisses. Ouais, espèce de sorcier. Excusez-le, il est un peu foufou en ce moment. Wow, rien que pour ça, ça me tente. Allez, je t'invite. Je vous prendrai ça, merci. Votre commande, madame. Tu avais l'air d'avoir très chaud dehors. Pardon, c'était gênant. Je vais te faire garder la tête froide, Pyro. Non, j'étais à deux doigts de gagner. Waouh, merci. T'as appris ça où? Moi aussi j'ai un super pouvoir maintenant. Ouais, t'es la reine des glaces. Hey, je peux quand même continuer à jouer, cool. Au secours! J'arrive. Je cours, je vole, chérie. Juste attends. Il te reste une petite flamme, là. Bonne nuit, mon petit glaçon. Bonne nuit, mon petit chaudron.
Salut, je vais me marier. Toi, Elisa, vous êtes invitée à mon mariage demain. Waouh, félicitations. Bien sûr, on sera là demain. Oh. Aïe. Ah, ça fait mal. Aïe. Mon dos. Lisa, j'ai une super nouvelle. Nous sommes invités au mariage d'Emily. Je vais enfin pouvoir porter ma nouvelle robe. Où est-ce que je vais? La verte, c'est non. Oh, la rouge. Enfin. Regarde ce que j'ai trouvé pour Emily. Mais nous n'allons pas pouvoir y aller parce que je ne peux pas conduire. Je peux conduire. Toi? Les filles sont trop nulles au volant. Idiot. Je vais te montrer. Regarde mon petit bébé. N'est-elle pas magnifique? Je t'aime, ma jolie. Oh mon Dieu, on doit se dépêcher. C'est l'accélérateur et ici le frein. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? Je vais te montrer. Oh non. Mon petit bébé. C'est une rayure. Oh non. On va être en retard. Oh non. On ne va pas arriver à l'heure. Allez, Elisa, accélère. Est-ce que je suis belle? Je devrais prendre la robe rouge. Tu l'as cabossé, Lisa. Waouh, je n'ai pas les mots. Tu conduis comme une pro. J'avais vraiment tort. Les filles savent très bien conduire. On sera pile à l'heure. Tenez. Pardonne-moi, c'est de ma faute. J'ai oublié le cadeau à la maison. Vos notes sont minables. Ouais.
Même moi, j'écris mieux. Qui a fait ça? Pas la force de refaire ça. Tu vas encore rater l'examen? Demain, tu vas rater l'examen. Oh, c'est ce qu'on va voir. On fait un pari? Si on perd, on fait quoi? Vous nettoyez la classe pendant un mois. Ça marche. Qu'est-ce que je t'avais dit? Non, je dors pas. J'ai réussi. Évidemment. L'anti-sèche à la poubelle. J'en ai pas. D'accord, pas de souci. Non, 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 pitié, non. Qu'est-ce qui se passe? Bien joué, Lisa. Vous pouvez vous arrêter? Quoi? À vos places, en vitesse. Oh, j'ai plus assez de temps. Oh, mon pauvre doigt. Va à l'infirmerie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis coincé le doigt. Oh, ça m'a plutôt l'air d'aller. Je vous dis que j'ai besoin d'un pansement. Tu as mal? Un petit peu. Pitié, aidez-moi, mon Dieu. Cool, merci. Je peux avoir un coca maintenant? Tiens, qu'est-ce que je vois là? Je vais te corriger tout de suite. Attends 5 minutes. Excellent travail. Mais
Oh. Et que ça brille. Pourquoi vous avez aidé Lisa? Et cette punaise sur ma chaise, c'était qui? Je vois tout, jeune homme.